bien le bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Un très grand plaisir. D'abord, félicitations. Tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement, dédié à la formule évasion. Île déserte de Nook Incorporation. Mais chaque chose en son temps. Laissez-nous d'abord faire les présentations. Je suis Melly, de Nook Incorporation. Et je suis Melo. Nous allons t'accompagner sur l'île, pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Alors, commençons. Tout d'abord, tu dois vérifier ton appli. C'est la première fois que tu souscris à une de nos formules? La première fois. Très bien. Bien. Jetons un œil à ton inscription. Pourrais-tu nous donner ton nom et ta date de naissance, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zoria et on se retrouve du coup pour un nouveau Let's Play, les amis. Oui, un nouveau Let's Play. On se retrouve sur Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch pour le Let's Play en mode relax. Des vacances, voilà, j'avais envie de m'y mettre, ça faisait 2 ans que le jeu est sorti. Je l'ai toujours pas fait, un LP on va dire, dessus. C'est donc le cas aujourd'hui. Alors, on va mettre notre petit pseudonyme. Mais voilà, donc c'est un Let's Play qui sera diffusé tous les jours à peu près. Les vidéos veilleront, ils seront pas forcément très longs non plus, mais voilà, j'avais envie de proposer un petit Let's Play sur le jeu. Alors, je forcerai pas trop sur ma voix, j'ai un petit problème qui fait que je peux pas trop parler fort pour le moment. J'en dirai pas plus, mais voilà. On va mettre la date de naissance, je suis né le 28 janvier 2001, pardon, qui est donc ma vraie date de naissance. Zoria, voyons voir. Oh oui, te voilà. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi, Zoria. Oh, ne t'en fais pas, prends tout ton temps. Donc tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini. On ne bouge pas d'ici. Alors, bon, bah, on va prendre un petit villageois. Voilà. Oh, je suis plutôt comme ça, moi, je pense. Ouais, je suis plutôt comme ça, moi. Là, les cheveux, bon, je suis pas une fille, hein, donc on va pas prendre des cheveux de fille non plus. Ce serait pas mal. Ça, je pense que c'est pas mal. Par contre, voilà, hein, je pense que ça me correspond déjà un peu mieux. Les yeux, en vrai, j'ai pas trop envie de toucher, j'ai effectivement les yeux bleus. Peut-être plutôt les yeux clairs, comme ça. Nez à bouche, bon. Les joues, pareil, j'ai pas envie de rajouter grand chose. On pourrait faire ça, mais non, pas besoin. Ok, bon, eh ben, très bien, on va faire ça pour le moment. Parfait! Eh bien, je crois que tout est prêt. Oui, tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi, où tu vas habiter. Tu vois, on n'est pas un peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui! En fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est que on a des îles dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, oui, les mêmes. Alors dis-moi Zoria, où habites-tu en ce moment? Là, maintenant. En Europe. Ah, excellent, en tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser. Mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Ça te va? Oui. Parfait! Nous avons donc tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles sont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire des vierges. Alors ne te soucie ni de la place ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix, ça non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Moi je ferai comme ça. Je vais te montrer maintenant plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Alors moi j'y connais rien, je sais que les gens en général ils font des placements bien précis. J'avoue que moi j'y connais pas grand chose. Personnellement je pense que l'idéal serait plutôt celle-ci. Parce que si je prends celle-ci, ce serait plus compliqué pour certains poissons. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, quoique... Si, moi je préférerais celle-là. On va prendre celle-là. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Quelle merveille! Non, quelle merveilleuse décision, pardon. Il nous tarde de te la montrer. On a hâte. Une dernière chose. Juste avant de partir, si tu pouvais emporter une seule chose avec toi, sur une île déserte.
qu'est-ce que tu choisirais? Oui, hein, quoi? De la nourriture. Intéressant. Très intéressant. Oh, désolé, c'était juste une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Incorporation. Oui, oui. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un message. Le vol affrété pour la formule Évasion Île Désert de Nook Incorporation est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Ah, ça tombe bien. Ça tombe à point nommé. Allons-y. Il est l'heure d'embarquer. On va monter dans l'avion. J'ai un peu de mal. Bon. Encore une fois, je vous le disais. Qui suis-je ? Bon. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris place à bord de notre vol affrété par Nook Incorporation pour notre formule Évasion Île Déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte. Et donc les amis, je vous souhaite bienvenue, bon, je pense que beaucoup l'ont déjà fait, hein, mais bienvenue dans Animal Crossing New Horizons. Qui est donc la nouvelle formule d'Animal Crossing. Alors, deux secondes, j'ai un petit bug. Hop, attendez, j'ai un petit bug. Voilà. Je suis en train de le régler. Le mec qui a des bugs en pleine vidéo. Parfait. Non, j'avais un petit souci avec le reconditionnement de l'écran. Mais c'est bon. Parfait. Voilà, voilà. Bah, j'espère en tout cas que ce CSV vous plaira. Bah, bon, là, on va commencer le jeu. On avancera petit à petit chaque jour. Les vidéos sont pas forcément très très longues. Mais voilà, 10-15 minutes de vidéo. Je vous le dis, c'est un espèce en mode relax. On ne se pose pas de problème. Parfois, ça pourrait durer 30 minutes, c'est pas de souci. Voilà, c'est vraiment relax sur Animal Crossing New Horizons. Une production de Nook Incorporation. Bon, bien mon Nintendo jeu Switch. Donc voilà. C'est parti. On va arriver du coup sur l'île. Hein, l'île qu'on a choisie. Pas grand chose d'autre à dire pour le moment, on va attendre tout ça, que tout se débute. Bon, je m'excuse un petit peu du bug au début de la vidéo, hein. J'étais en train de régler des petits soucis techniques. Mais tout va bien. Voilà, c'est parti. Welcome, Animal Crossing. Donc notre île, on aura donc du coup des pêches, visiblement comme fruits de notre île. Ce seront des pêches, très bien. J'aime bien savoir un peu ce que je prends moi, en général pour pouvoir choisir les bons dans d'autres îles. Parce qu'évidemment, j'ai déjà joué au jeu, hein. Mais sur un autre compte. Nous y voilà! Je sais que vous devez très peiner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île, mais nous avons une toute petite faveur à vous demander, avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour une rapide séminaire d'initiation sur la place. Notre chef bien-aimé est intrépide, va faire un petit discours. Vous ne voudrez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas. Vous n'avez pas qu'à nous suivre, vous n'avez qu'à nous suivre avec l'aide du joystick L. Très bien. Nous voilà donc dans Animal Crossing New Horizons, ça y est. Notre premier gameplay sur le jeu. Donc, bah écoutez, c'est parti, on va rejoindre Tom Nook, qui est là-bas. Bonjour Tom Nook. Très bien, est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Nora, Séguin, et enfin Zoria. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe la main, Monsieur Nook, nous trois aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr. Bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook, et je suis le fondateur et le président de Nook Incorporation. Oui, oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook Incorporation sera toujours à votre disposition pour vous assurer le confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps, oui oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de base solide pour votre nouvelle vie. Voyez les choses en grand, j'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente pour maman? Récupérez votre tente auprès de Mélie ou Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire du coup. Bonjour, Mélo. Tiens, Zoria. Cette tente est à présent la tienne.
Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur la touche X pour ouvrir ton inventaire. Ensuite, tu n'as plus qu'à choisir ta tente pour la poser au sol. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras avoir le résultat final avant de prendre ta décision. Garde en tête qu'il te faut assez de place pour être à l'aise chez toi, alors ne te précipite pas. Oh, et je ferais mieux de te donner une carte. Une fois que tu auras monté ta tente, reviens nous voir, c'est là que la carte pourra t'être utile. Allez, au travail, bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. D'accord. Eh bien écoutez, c'est parti du coup, on va aller poser la tente. Alors, on va regarder un peu la carte du coup, quand même, avant. Alors attendez deux secondes, hein. On va réfléchir un petit peu. J'ai eu un petit bug, je suis désolé, je m'excuse. Ça a un petit peu lag, mais... alors... Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Très bien. On va retourner voir Nook pour l'informer. Bon, juste pour information, les gars, je ne joue pas sur émulateur, hein. Je préfère vous montrer quand même. Je ne joue pas sur émulateur. Ah, Zoria, je conclue que de ta mine, réjouis que tu as trouvé un emplacement pour ta tente. Tu es le premier. Les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Tu sais, je crois qu'ils seraient ravis de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux. Oui, oui. Donc on va devoir aider les gens. Très bien. Allez voir les mises à jour, je crois que j'en ai vu un par là. Bonjour. Tu es par là? Non. Je suis aveugle? Ah non, il y en a un là. Bon. Ça me paraît bien en vrai. Yo, moi c'est Segun. Tu t'appelles Zoria? Ravi de te rencontrer. Eh hey, bah vas-y. T'as déjà installé ta tente, Zoria? Moi je cherche encore l'endroit idéal. Mon truc, c'est les exercices de cardio. Alors je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais je sais, tu en penses quoi, Zoria? Pas mal. Oh, c'est aussi ton avis? Eh bah dans ce cas, voyons voir ensemble ce que ça donnerait. Alors, si j'installais ma tente ici... Ce serait plutôt chouette, hein? Yes. Ah, ça me fait vraiment plaisir de te l'entendre dire. Alors, c'est décidé, je revendique cette parcelle de terrain, au nom du sport. J'avais vraiment du mal à décider où monter ma tente. Merci, tu m'as tiré d'affaire comme un champion. Tiens, je me demande comment s'en sort Nora. Et si ça se trouve, elle a autant de mal à se décider que moi. Tu devrais aller voir si elle a besoin d'aide. Très bien, on va aller voir Nora. Nora, de mémoire, je l'avais vu par là. Bah, je suis aveugle. Visiblement, je suis aveugle, je ne retrouve pas Nora. Peut-être qu'elle s'est déplacée depuis le temps. Où elle pourrait être, la petite Nora? Ah non, elle est là, pardon. Excusez-moi, elle est là. Très bien. Attends, tu dois être... me dis pas, Zoria. Tu vois, pas besoin de me le dire. Moi, c'est Nora.
Et je crois pas qu'on... Je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île, Gollerie. T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les coins sont idéaux. Je n'ai pas gambergé sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard. Et elle est tombée ici, alors boum, je m'installe. T'en dis quoi, c'est pas trop chelou comme système? Pas mal. Sérieux? Eh bien, puisqu'on est sur la même longueur d'onde, on va gamberger ensemble si je m'installe ici. Pas mal, hein? Ouais. Super, à partir de maintenant, ce sera plus un coin paumé sur une île, ce sera ma turne, rien qu'à moi. T'aurais pas pu trouver un meilleur endroit. Merci. Attends, t'es en train de me dire que t'as aussi défilé un coup de patte à Sgus pour planter sa tente? T'as le cœur sur la patte, toi. Je vais pas me baratiner à la base, moi j'avais un peu les jetons qu'on soit pas assez nombreux. Mais avec ton réparage, je crois que je vais pouvoir roupiller sur mes deux oreilles. Oh, les autres doivent nous attendre, faut qu'on se bouge pour aller sur la place. Très bien, très bien, très bien. Rebonjour. J'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter vos tentes. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous, dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses. Oui, oui. À savoir une grande fête sur la place pour rendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Et puisque nous vivons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons. Mélie, Nora, Mello et Sanguin s'occuperont des préparatifs sur la place. Tandis que Zoria et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que des menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire, alors au travail. Zoria, peux-tu me voir un instant s'il te plaît? Très bien, on va aller voir Tom Nook. Bien, bien, bien. Zoria, je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie tout simplement sur la touche Y pour la ramasser. De mon côté, je vais examiner un peu ces 6000 pêches. Je ne serais qu'à moitié surpris si c'en était des vrais. D'accord, on va récupérer des branches. Alors, attendez. Hop. J'arrive. Attendez, hop. Du coup, on va récupérer un maximum de branches d'arbres. Donc, on va pousser un peu les arbres pour pouvoir faire ça. Bon, on va arrêter les bêtises. Il en faut 10 hein, pour information. Donc, on va continuer de regarder si on en peut partout. Voilà. Hop. On est à combien là? On est à 7. Très bien. 8. Plus beaucoup. 9. 10. Logiquement là j'en ai 10. Ah j'en ai 11, j'ai mal calculé mon coup. Bon tant pis. Alors, viens là mon petit Nook. Bien 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 Zoria. Tu as récupéré toutes les branches d'arbres. Oh mais tu as même plus qu'il en faut. Je n'en prendrai que 10. Ne buvons pas des bonnes choses. Mais laisse-moi te débarrasser. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné? Non, non. J'ai de la chance de partager cette île désolée avec un travailleur aussi acharné. Oh oh. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. Et ils ressemblent à des pêches. Des pêches. Ont une odeur de pêche et ont même le goût de pêche. J'en conclue donc qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentiques pêches. Cela t'ennuierait-il d'en cueillir 6 pour moi? Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien, mais je vais quand même me permettre une petite brève explication. D'abord, repère un arbre sur lequel poussent des pêches, puis appuie sur A pour le secouer. Plus qu'à te baisser pour récupérer ta récolte. Tu en cueilleras des tonnes en rien de temps. J'arrive pas à parler, j'arrive pas à articuler, ça m'énerve. On récupère les pêches. Ah là là, vous verrez que ce display va vraiment être incroyable. Il va durer un moment, je pense, par contre, ce display. À mon avis, il va durer un moment. Coucou Nook. Bien, bien, bien. Je savais que tu étais le cueilleur de la situation. Merci encore. Viens, laisse-moi te débarrasser de ces pêches. Et commençons à les préparer.
Et sur ce, on va pouvoir faire le petit feu de camp. Et donc, voilà quoi, inaugurer un peu cette île. Alors voyons, le compte y est, oui, que la fête commence. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant. Oui. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Oh oh. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais. Mais que cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas qu'un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île déserte va... Mais peut-être encore parler d'île déserte. Non mais peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de le baptiser. Et dans un esprit démocratique, je vous propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Alors, creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Donc évidemment, moi j'avais déjà mon idée. On va l'appeler Sig IA. C'est mon serveur Discord, lien dans la description. Sig pour Sig Axe et IA pour IA CF2Z, bien sûr. Bien, tout le monde est prêt? Essayez tout le monde de énoncer son idée en même temps. Prêt? C'est parti! Nookville, Milliville, Perpète les Flots, Essia et Sport sur Mille. Quelles charmantes idées, oui. Toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Zoria m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi à son idée. Commençons donc par là. Donc, Zoria propose... Sigia. Ah, bah ça fait l'humanité. Oh, regardez-moi ce triomphe. Tout le monde applaudit, des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Sigia. Yes. Parfait. Désormais, cette île portera donc le nom de Sigia. Dis-moi, Zoria. Puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Sigia, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, Zoria, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Sigia. Zoria, en tant que nouveau porte-parole de tes voisins, vous irez de tirer un mot ou deux. Comptez sur moi. Bon, on a donné un nom à notre île et aussi à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard, il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire? Déguster ce délicieux jus de pêche produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Mais foin de long discours, Asiga, bon, santé. Un peu de mal à lire. Vous inquiétez pas, dans les prochains épisodes, il n'y aura pas autant de choses à lire. C'est parce que c'est le début du jeu, forcément, voilà, bon. On va dire bonjour un peu à tout le monde, et puis je pense que ça va être pas mal. Se retrouver comme ça autour d'un feu de camp, ça donne l'impression d'être en vacances. Il y a un scorpion. Ah, il y a du spawn. Dommage, il y avait un petit scorpion. Je me suis jamais posé sur une île avant. C'est bien. Ça va être un dingo. D'accord. On va dire bonjour à Mélo. On va pouvoir laisser ce feu de camp se consumer tranquillement. Si tu es fatigué, n'hésite pas à te reposer dans ta tente. Oh, mais avant cela, nous avons quelque chose pour toi. Va donc en parler au président. On va aller parler à Mélie. On va pouvoir laisser ce feu de camp se consumer tranquillement. Moi, il dit une chose. Bon, il dit une chose. Ah, Zoria, tout va bien pour toi? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Ouais, j'ai sommeil. Très bien. Mais d'abord, tu vas avoir besoin de ça. C'est ton lit de camp. De lit de camping personnel. Il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Il y aura aussi quelques paquets dans la dite chante. Des bricoles qui pourraient être utiles.
Pour les ouvriers, pour les ouvrir et utiliser des objets qui contiennent, il te faudra appuyer sur A. Ensuite, quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit à l'aide de la joystick. Demain sera une nouvelle longue journée, alors tâche de bien te reposer pour cette nuit. Je n'ai plus rien à te dire aujourd'hui. Non, non. À part, bien sûr, fais de beaux rêves, Zoria. Bon, encore une fois, j'ai un peu de mal à parler. Je suis désolé, les gens. C'est pas mon jour aujourd'hui. Donc, c'est parti. Nous allons en direction de notre maison. Notre tente. Alors, non, c'est pas la nôtre. Je fais des bêtises. La nôtre, elle est là. Voilà. Notre petite maison pour le moment. On va déplacer un petit peu les items. Donc là, c'est une cassette. Une lumière qu'on peut allumer. On va essayer de l'allumer pour l'instant. Et on va déposer le lit de camping qu'on nous a donné. Et on va dormir. Voudrais-tu te reposer pendant un petit moment? Je me repose. Comme tes paupières sont lourdes. Attends. Bon, je suis désolé. J'ai dû faire une mini ellipse. On fait que de m'embêter aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué pour tourner la vidéo. C'est pas grave. Alors, comme ça, tu traces la route. Tu mets les voiles et le cap sur l'aventure. T'as raison, sur toute la ligne. Le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Après, croisons l'expérience d'un bourlingueur, de la solitude du voyage. Jerp peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route. Un nouveau visage à chaque virage. Le premier pote qui coûte. Après quelques copains dans le baluchon, tu partiras à l'esprit serein vers toutes les horizons. Oh, je bavarde. Il faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil te retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après tout, tu ouvriras les yeux tout grand. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Il n'y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera à la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève. Alors lève-toi aussi et va vivre ta vie. Va vivre tes rêves, pardon. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est un truc de malade. Donc ce cher Kéké. Kéké, le petit chien qui fait de la musique. Très connu dans Animal Crossing. Bien sûr. Top Nook va nous demander de venir le voir. Zoria, tu es là? Oh, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Il fallait que je te parle de quelque chose. Oui, oui. Prépare-toi, je t'attends. Très bien, on va rejoindre Nook. Tom Nook. Je suis là. Ah, te voilà. J'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. Oui, oui. J'étais endormi? Oh, certes, qui ne serait pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie. À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre nouveau coin de paradis. Commençons par ce petit bijou technologique. Oui, oui. Voici ton Nook Phone personnel, un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? Visiblement, il marche. Oui, oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Bien, tu peux le ranger à présent. Oh, mais je vais peut-être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? Ouais. Parfait. Dans ce cas, tu devras vite trouver tes marques. D'autant plus que le nouveau phone est bien plus facile à utiliser que les téléphones ordinaires. Et ce, pour une raison simple, la plupart des fonctionnalités ont été retirées. D'accord. Ah, j'ai failli oublier. Tu y trouveras même une appli très utile qui regorge de conseils pour la vie insulaire. Elle n'est habituellement pas gratuite, alors considère-le comme un cadeau de bienvenue. Oui, oui. Il s'agit de l'appli Guide Insulaire et elle fonctionne un peu comme une messagerie en quelque sorte. Tu veux l'essayer? Non, j'en ai pas besoin.
C'est une ajout, c'est un ajout du DLC. Je crois de mémoire. Ou de la dernière mise à jour, je ne sais plus. Vraiment? Ah bah, eh bien, en es-tu bien certain? Bon, j'imagine que tu es un mordu d'aventure. Découvrir son environnement et s'y adapter par ses propres moyens doit être stimulant. Oui, oui, très bien. Et si tu changes d'avis, tu pourras toujours récupérer l'appli au bureau des résidents. Bon, c'est pas de cette appli. Oh, il reste encore un dernier détail, cela dit. C'est ta facture. Oui, oui. Donc, le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Ce qui nous fait un total dérisoire de... d'à peine 49 800 clochettes. Des clochettes? Oh, elle est bien bonne, Zoria. Oh, mais ce n'est pas une blague. Oui, bien sûr. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Vois-tu, les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter des biens et services à Sigia. Mais voilà qui ne résout rien le fait que tu en sois totalement dépourvu. Ah, je sais. Ne t'en fais pas. Je t'ai préparé à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion en 1000 miles plutôt qu'en clochette. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé le programme Miles Nook. Les Miles Nook? Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engranges des milliers de miles, rien qu'en menant ta vie à Sigia. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules de précieux Miles Nook. Que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Bref, pour ces prêts, il te faudra dépenser 49 800 clochettes. Mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 dies. Je vais t'inscrire au programme comme ça. Tu me payeras en miles, d'accord? Mais tu en sauras plus en consultant ton Nookphone. Oui, oui, il suffit d'ouvrir l'application Miles Nook. Pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. Non sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton aménagement à Sega, bien sûr. C'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir un nouveau client chez Nook Incorporation. Voilà, voilà, voilà. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Youpi! On va aller... Alors, attends. À partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ne touche pas au bouton power si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite. Quand tu veux arrêter de jouer, tu peux aussi appuyer sur la touche moins pour sauvegarder et quitter la partie. Et voilà, le jeu est lancé. Ça y est. Donc on a le Nookphone, je vais vous présenter un peu les fonctions qu'il y a dessus. On commence par l'appareil photo qui nous permet donc, comme vous pouvez le voir, donc les photos sont en sauvegarde dans l'album photo, de se prendre en photo. On peut, voilà, vous voyez, changer certains trucs. ZL, on peut accentuer la couleur. Intense, oui, on peut faire pas mal de choses en mode pellicule, noir et blanc. On a vraiment pas mal de choses. Elle, pour mettre un cadre, en mode cinéma, en mode date, en mode heure. On a encore une fois, on a pas mal d'options. On peut aussi changer l'endroit où se trouve le téléphone. Et puis, bah, plus pour photographier. Et il existe des modules supplémentaires pour continuer à découvrir comment ça marche. Enfin, augmenter. Je viens de prendre une photo, donc ça m'a débloqué des Miles Nook normalement. Voilà. On a les motifs persistants, je vais vous montrer au fur et à mesure. D'abord, on va commencer par le service d'aide. Le service d'aide utilise ce service dans les situations d'urgence lorsque la voie est bloquée et que tu ne sais pas quoi faire. Tu seras généralement transporté chez toi au bureau des résidents. Tu dois disposer de Miles Nook pour bénéficier de ce service. Donc ça coûte toujours des Miles Nook, donc on va pas le faire. Mais ça peut être intéressant. Ensuite, le passeport. Donc c'est des informations qui sont en rapport à nous dans la vie insulaire. Donc ces informations peuvent être vues par les autres joueurs. Quand on va en ligne, bien évidemment, ce ne sera pas le cas pour le moment, mais peut-être que par la suite, on fera peut-être du online. Tu peux changer de photo de titre ou de commentaire à tout moment, personnalisé selon ton style. Donc nous, on va le modifier. On va mettre un commentaire. On va mettre bienvenue. Enfin non, on va mettre happy. On va mettre happy pour être dire qu'on est content. Si je fais ça, c'est parce qu'il y a une raison. Ne vous inquiétez pas. Hein. On sauvegarde, voilà. Donc, il vient de l'île déserte Sigia. Et on a un message à Happy. Voilà. La carte qui va donc du coup nous présenter. Donc, consulter la carte pour reconnaître la situation. Et puis, pour modifier les paramètres. Bon. Là, on peut voir un peu où tout le monde habite. L'aéroport, les futurs, le bureau des résidents, etc. etc. Et on peut aussi masquer toujours la mini-carte ou toujours l'afficher. Moi, je vais le masquer en déplacement. Ensuite, du coup, on a les motifs personnalisés.
Avec cette application, tu peux créer des motifs pour personnaliser tes vêtements ou décorer l'île. Il te suffit de sauvegarder tes motifs sur l'application pour pouvoir les partager avec les autres résidents de l'île. Il se peut que tes motifs soient vus par d'autres joueurs lors des sessions de jeu en ligne ou multijoueur local. N'utilise aucun contenu pouvant porter attention aux droits des tiers d'aucune information privée. Ça peut être le cas par exemple. On a eu des cas dans d'autres pays où ils mettaient des trucs un peu pas terribles. Voilà. Offensant, on va dire. Et enfin, l'application MySnook. La voici. Tu as rejoint le programme MySnook. Grâce à des MySnook en prenant part à des activités sur ton île. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes mise contre divers avantages et articles au Nookstop. Shop, pardon. Profite de tout ce que l'île a à t'offrir, accumule les MySnook. Donc les mise de bienvenue. Tu as effectué un long voyage pour venir t'installer sur notre petite île et tu as fait l'honneur d'intégrer le programme MySnook. Voici tes premiers mise pour fêter ça. Les premiers d'une longue série. Oui, oui. Ça sent MySnook. Voilà. Ce sont nos premiers. On a d'autres quêtes, bien évidemment, comme vous pouvez voir, on a bien d'autres quêtes. Donc le PCO, ça j'en pêché. Enfin, on en a plein, mais on fera ça au fur et à mesure. Vous aimez bien que moi, mon objectif va être de toutes les faire, bien sûr, ça sera mon objectif dans la série. Ou je ferai de la merde. On en a vraiment pas mal. Je pense qu'on en a débloqué d'autres, voilà, il n'y a pas de photo. N'hésite pas à dégainer ton appareil photo, à faire sortir le petit oiseau et à montrer tes clichés autour de toi, composition avant-gardiste ou photo compulsive. Il n'y a pas de mauvaises occasions, non, non. Et on gagne 300 MySnook. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris une photo. Passeport en ordre. Certaines informations du passeport peuvent être modifiées. Nooking Corporation encourage la personnalisation en donnant des MySnook à ceux qui font l'effort de s'approprier leur identité. Oui, oui. Voilà aussi pourquoi j'ai changé mon passeport. Voilà, bon, je sais pas si on en a d'autres. Non, visiblement, on les a toutes faites sinon. Très bien. On va récupérer ce qu'on a reçu. On a reçu 2 colis. Félicitations pour ton installation. Nous espérons que tu apprécieras ta nouvelle vie sur cette île. Pour célébrer ton emménagement, voici un cadeau qui te sera certainement utile. Sincèrement, Nintendo. Mince. Et photo, les villas de loups. Donc ça, c'est le DLC. Ah, on sait pas encore comment faire, très bien. C'est pas grave. Ça, on va le placer dans la maison et on va s'arrêter là, je pense, pour cette première vidéo. On continuera demain. Donc, il y aura une vidéo tous les jours. La durée de la vidéo sera variable. Donc, ça peut être lent comme ça peut être rapide. On va mettre ça au mur. Je sais pas si on peut sur une tente. Non, on peut encore rien mettre dans les tentes. Très bien. C'est pas grave, on place ça ici pour l'instant. Et puis voilà, on regarde un petit peu ce que c'est. Donc voilà, photo de loup avec les personnes du DLC. Très bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera donc demain, le 11 mai. Enfin là actuellement, il dit qu'on est le 10 mai, ce qui n'est pas vraiment vrai. En fait, on est le 11, enfin on est le 9, pardon. Donc on est une journée en trop, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. C'était Zoria, allez, bye bye tout le monde.